La dépigmentation de la peau, qui est un phénomène qui touche près de la moitié des communautés de femmes en Afrique et n'épargne pas le Gabon. Cette semaine, des jeunes scolarisés dans la zone de Zengayong se sont joints à une campagne de sensibilisation lancée par l'ONG de lutte contre cette pratique. Edgar Djembidoukaga les a surpris sur le terrain. Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 27 et 59% d'Africains, surtout les femmes, pratiquent la dépigmentation volontaire ou artificielle. L'usage des produits éclaircissants, généralement sans l'avis des dermatologues, lequel a suscité la mobilisation dans plusieurs quartiers de Libreville des jeunes aux côtés de l'organisation non gouvernementale de lutte contre la dépigmentation de la peau. En ce qui concerne la dépigmentation de la peau, je suis contre cette pratique. C'est pourquoi je conseille à mes jeunes frères et sœurs de ne pas se lancer dans cette pratique. Devenir clair ou faux métis, une euphorie qui coûte de l'argent au détriment du bien-être quotidien des familles, avec des risques incalculables pour la santé. L'homme ne peut pas corriger Dieu. D'abord, c'est un bonus qui vient de Dieu. Ce que je peux conseiller à mes soeurs et à mes frères, c'est d'arrêter l'enchaînement de la peau. Il y a beaucoup de maladies suite à cette pratique. Des maladies qui entraînent à la mort. Pratique culturelle devenue conséquence de plusieurs facteurs esthétiques, la dépigmentation de la peau est naïvement attribuée à un regain de beauté et de séduction. La gêne est parfois visible de croiser dans une peau blanche des connaissances connues comme noires et séduisantes.